Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, donc ça sera une vidéo tour de magie. Donc je vais d'abord choisir une carte, enfin une carte, vous allez voir par la suite à quoi elle me servira. Donc je peux prendre allez, celle-là. Donc cette carte, vous la verrez seulement à la fin. Et puis, je vais demander à ma spectatrice, donc ma sœur, de me dire un nombre entre, vas-y, le nombre que tu veux. 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je pose le paquet sur le côté. Je sépare en deux. Et ce qui est drôle avec ce tour, c'est que ma carte était le 10 de pique. Première carte était une carte de pique. Et deuxième carte était une carte 10. Donc ce qui forme 10 de pique. Donc on va tout de suite passer aux explications. Donc tout d'abord pour ce tour, vous devez non pas faire une préparation. Vous pouvez mélanger, ça n'a pas d'importance. Et puis vous allez regarder les deux cartes, enfin les deux dernières cartes. Donc là on a dame, la dame de trèfle et le 4 de cœur. Donc soit vous trouvez la dame de cœur ou le 4 de trèfle. Donc le premier qui passera, hein. Dame de cœur. Donc voilà. Et puis ensuite, je vais demander un nom, vas-y, dis. Bah, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, normalement, c'est caché pendant tout le jeu, mais je vous le montre. Ensuite, je vais séparer en deux paquets, donc une. Bon, j'ai pas besoin de compter. Et puis à ce moment-là, je montre ma carte. Je retourne la première carte et là je fais assez drôle, c'est là c'est une dame et là aussi. Donc là je retourne la deuxième carte et puis là je fais assez drôle parce que là c'est une carte de cœur et là pareil. Donc voilà, ça fait une petite coïncidence comme ça. Donc sur ce, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager la vidéo, à vous abonner et à commenter. Allez, ciao!